Bonjour, je m'appelle Jeanne de Genevray et je suis artiste en résidence pour la Société Chopin dans le parc du Bagatelle. Et ça, c'est mon métier, je peins dans les jardins publics autour du monde. Je suis à Bagatelle depuis 7 semaines maintenant. Il y avait beaucoup d'averses, de la grêle, tout, donc les conditions étaient un peu difficiles. Et globalement, le roseraie, le jardin est tellement unique et c'est le plus beau jardin botanique pour moi à Paris. Donc c'est un rare privilège de pouvoir peindre dans ce jardin splendide. Deuxième résidence de jardin, donc j'ai un peu l'habitude des jardins. Cette résidence était un peu plus compliquée. Chaque fois que je suis dans un nouvel jardin, il y a d'autres défis. Alors le défi ici, c'était le public justement, parce qu'il y avait beaucoup de public tous les jours. C'est ouvert tous les jours, 365 jours par an. J'ai dû apprendre à travailler encore dans une autre façon, ça veut dire avec les dessins que j'ai faits en fusain. Devant le sujet. Aussi, par mémoire, j'ai beaucoup travaillé de mémoire. Et évidemment, comme d'habitude, je peins devant le sujet. Mais parfois, avec les averses ou avec le public, je n'ai pas pu travailler devant le sujet. Donc j'ai travaillé peut-être un peu plus que la moitié carrément devant mon sujet choisi dans le jardin. Et les autres, j'ai fait de mémoire et par esquisse. Ma spécialité, normalement, c'est les jardins méditerranéens, parce que je suis de la Californie, qui est un des coins de ce climat méditerranéen qui se trouve tout autour de la globe. Mais l'invitation de venir ici à Bagatelle était totalement autre chose. C'est un climat continental, disons. Et donc, il y a beaucoup moins de ces sujets très structurels comme le cactus, comme les aloès, comme les agaves et tout ça, qui sont très structurés. J'ai focalisé plus sur la forme des couleurs. Dans l'espace. Normalement, je suis peintre, pas de fleurs, je suis peintre des plantes. Mais cette résidence-là, il y a beaucoup de fleurs dans les tableaux parce que, comme j'ai dit, j'ai focalisé sur les formes des couleurs comme c'est situé dans le paysage. Quand j'étais jeune, mes deux sœurs jouaient le piano et moi la flûte. Et donc j'ai été élevée avec Chopin, en fait. Et la musique classique en général. J'ai eu le grand privilège d'accompagner le voyage de Société Chopin à Varsovie pour assister au concours, le fameux concours Chopin. Et donc comme ça, j'ai pu vraiment imbiber de Chopin. On a visité son musée, le lieu où il a composé, le lieu de sa naissance, enfin tout. Et c'était justement ce voyage qui m'a donné l'idée de faire cette proposition à le Parc de Bagatelle et à la Société Chopin pour faire cette résidence, pour marier les deux choses extraordinaires, la musique et l'art, que je trouve sont vraiment comme une vigne qui croise et qui s'entoure. C'est difficile pour moi d'imaginer de vivre un sans l'autre. Ils sont vraiment faits pour être les deux ensemble.
c'est toujours un grand moment d'émotion de voir les tableaux d'une œuvre. Il y en a 12 que j'ai fait dans une période très intensive. J'ai travaillé tous les jours. Et donc, quand je vois les tous accrochés dans l'orangerie, c'est toujours un moment d'émotion, mais aussi de déconnexion. Parce que je ne suis plus l'acteur, je deviens un spectateur. Et ça, c'est toujours une émotion assez étrange, parce que je suis tellement détachée des œuvres au moment où ils sont accrochés que je suis parfaitement capable de rentrer dans l'orangerie et dire qui a fait ces tableaux. Parce que c'est presque une expression qui doit sortir, et dès que c'est sorti, ça ne m'appartient plus. Et donc, c'est notre chose quand je les vois exposer. Et l'accrochage, c'est toujours un défi, c'est pas facile, les accrochages. Mais je suis particulièrement contente avec cet accrochage. Et comme d'habitude, j'avais juste assez de toile pour remplir l'espace parfaitement, pas un de moins ni un de plus. C'était vraiment, c'est comme ça devait être. Merci beaucoup. Merci à vous.